salut les rocketeurs, bienvenue aujourd'hui dans un nouvel épisode de la série de VS2. Et aujourd'hui on est lundi et ça veut dire que nous avons un nouvel invité. Et quel invité, puisque c'est DalFR. Bonjour DalFR. Bonjour Gaspo. Peut-être tu peux te présenter, parce que je sais pas si beaucoup de monde te connaît sur YouTube. Alors je suis un joueur bubble de type supersonique. Wow. Genre. Ah oui, d'accord. Oui, alors je me présente, je m'appelle DalFR, je suis... Est-ce qu'on peut me qualifier de... Je suis plus TikToker ou streamer, Gaspard? Streamer, je pense, quand même. C'était ton premier corps de métier à la base. Et je suis à peu près GC2, j'ai pic GC3. Si on va être honnête, c'est mon pic. Voilà. Il est... J'ai fait du contenu sur... SSL cette saison, c'est ça? SSL cette saison, et d'ailleurs, les gars, il faut quand même le mentionner, je pense qu'on peut le dire, on peut... Si je finis la saison à un plus haut rank que Gaspo RL, ouais. Gaspo RL vous fera en exclusivité un live hot tub tel Amourant. Donc c'est-à-dire que moi, dans une piscine, quoi. Mais bon... Est-ce que gonflable. Est-ce qu'il y a des risques? Je sais pas. Allez, on va passer tout de suite à la game 1, c'est parti. NVZ. Ok. Killer NVZ. Ah, c'est pas les pros KSA, ça? Je savais que j'étais déçu parce que tu t'es mal présenté. Moi, je t'aurais présenté streamer qui n'a pas la langue dans sa poche. Voilà. C'est comme ça que je t'aurais présenté. Là, tout de suite, mais ça, c'est des clichés. Ah. Hein. Non. Ah ouais, ouais. Pas ta langue dans ta poche, tu dirais? Ouais, je vais faire une double tap, là, faudra pas être surpris. Ah. Dommage. Ok, hop là, rien de passé. Je pense que... Non, 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 déjà première manière. Je suis à l'aise, mais j'ai 12 de boost, je suis à l'aise. C'est fou. Je pensais avoir invité un 1006. Attendez, regardez-moi le riz. Oh là 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 là. Ah, c'est une catastrophe. Ah, j'ai kebab. Non mais est-ce les gars, que moi ça j'ai va être la première semaine full lose? Première semaine full lose peut-être avec Dave. C'est-à-dire quoi? Il y a 14 games, je doute. Allez. En tout cas, il y a personne à full win encore. Oui, ah ouais, ça fait 12-2. C'est pas mal. Ah ouais, ça c'est quand même bien. Hein. Lui, il joue pas trop en fait. Ouais, par contre, hein, faut que je te dise un truc, il y a un fil rouge dans cette série. C'est que aucun de mes invités n'a encore mis de fait prisette. Ah bon? Aucun. Et pourtant, j'ai invité Poyos pour qu'il le fasse. Mais je vais en mettre 12. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait donc. Poyos n'a pas mis un seul fil prisette. Eh non, mais il a mis un wall read, mais pas de fil prisette. Et ça se dit freestyle. Non, mais là c'est criminel. Ah, c'est du bullshit. Non, là c'est criminel. T'es là le reset, Gaspo. Ouais, je bullshit trop. Je pense c'est moi qui empêche mes invités de clip. Franchement. En vrai, tu dis ça en rigolant, mais. Ah, tu penses que je bullshit trop? Ok, ok, oh, my time. Mal. Oh, le wall read! Allez, c'est moi qui empêche mes invités de clip. Et pourtant, je clip de mon côté. Ping! Un premier try, un premier ah, wall là, en plus. Là, là, là. Elle était belle en plus. Dommage qu'elle burn. Je vais me faire booster moi. Allez. Leak, drama. J'espère que t'as impressionné quand même. En vrai, ouais. Non, mais en vrai, premier degré, ouais. Ah ouais? Moi, c'est ah juste, ouais. Je réagis pas en criant, tu vois, je réagis en mode oula. Ouais, ouais, t'es. Je peux la mettre ou. Ouais, ouais. Première. Ouais. Quand, tu dois jouer... quand tu joues avec Flitch, tu dois péter les plombs des fois. Ah ben. Merde. Ça va, je vais le tuer. Il est gentil donc. C'est vrai. Mmh. Ils ont bien joué. Il a changé sa sensi avant et était un peu, il galère un peu. Ah ouais? Parce qu'en fait, faut savoir qu'il était à 0.30 de sensi depuis le début, Pete, parce que c'est un freestyler, tu vois. 1.30? Ah ouais, 0.30. Non, non, 0.30 de zone mort, pardon. Ouais, mais c'est bien, en vrai, d'avoir ça. En freestyle. Ah, le problème, c'est il que... Il a baissé oui. Et en rank, ouais, il a mis à 0.10. Oh non. Enfin, le problème, c'est... Bah, quand tu veux jouer en ranked, mec... Bah, avec ouais... Avec le speedflip, en 0.30 de zone mort, bonne chance. J'ai. Tu connais Forky ou pas? Ouais. C'est un mec qui freestyle fort. À très haut elo, genre ouais. Top 100, dans le top 100, et il a 0.25, tu vois. Ouais. Putain, je suis dégoûté. Ah, je peux pas, hein. Il est tellement de ghost touch. Pas la meilleure game, là. Là ouais, je suis dans la merde. Oh, c'est bon. Je démo killers. Ouais, ah, c'est bon. C'est bon. Peut-être pour toi. Ça me démo, voilà, ça me démo. C'est excellent, excellent. Tu peux le démo ou... Tiens. Hop, c'est but. J'attends. Je gagne du temps, mais ça va être chaud. Nice. Mmh. Les gars. Non. Oh, il rate. Ah, je croyais qu'il voulait monter. Il est en 1600. Oh non, je suis dans la merde. T'as un jeu. Touche juste vite fait. Non, ouais. Stop. Fake. T'es sur toi bah... Ah, dommage. Attention. En sortie, t'étais décontenancé par mon move. Oh, non, ça va. Hop.
je réalise la chance que j'ai de jouer avec un... Ta gueule. Oh non. Ah, j'ai pas. C'est vrai que je couvrais le but, je couvrais le but. Mec, j'ai pas de boost, je sais pas si c'est de ta faute ou de ma faute. On peut jouer au jeu ou... Et Gaspo qui a le cut sur chaque balle. Mais okay, non, nice. T'inquiète. Lisette. Oh, il me fait chier. Et c'est pour toi, c'est open, on n'en parle plus. C'est fait, c'est vrai. Je laisse invité briller, je lui vole pas le but. Fake, je pense qu'il y avait quelqu'un à fake. Très beau 50, la chatte. Ouais, Pogo passe. La chatte! Let's go. Oui, alors oui, ce que les gens ne savent pas, c'est que moi j'ai déjà 30 games dans les pattes. Hein. Je sors d'un stream. Donc... Ah oui, il sort d'un stream. Donc. Il est un peu fatigué là. Voilà, mes doigts de. Vous savez quel âge j'ai, les gars? Ouais. Non, mec, ça me fait penser à une super transition. Est-ce qu'on peut être pro et être vieux, mec? C'est fou. Ah ouais, putain, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Non, on n'a pas parlé pendant une demi-heure avant le tournage. Du coup. Ah, j'ai le choc. Ah, c'est bon, ça. Okay. Est-ce que j'ai le boost ou. Ah non. Okay. Fake. Ça, je sais pas. Yes. J'ai 12 de boost symbolique. Oh là là, tu es trop fort. Oh, mais voilà. Tu te mets dans les meilleures conditions, c'est fou. Et je suis avec un joueur professionnel. Oh là là. Attends, je sais est-ce qu'on peut être pro et vieux? Bah moi mon seul argument c'est... Moi j'ai deux arguments. Vas-y. Les pros de Counter-Strike qui est un jeu où il faut être vraiment énervé de fou. Ouais. Avoir des réflexes de zinzin. Ouais. Et c'est vrai que j'avais déjà fait le lien avant que tu en parles. Hein. J'en avais déjà parlé en stream. C'est vrai qu'ils sont tous 25. Il a 32 là. 32 putain. Ouais je te jure. Attention. C'est fou que sur Real ça existe pas encore. Ah, le jeu est trop récent je pense. Ouais. Tu sais, en fait, même l'aspect, le jeu, c'est un peu, tu sais, c'est des voitures qui jouent au foot. Genre, ouais. C'est quand même pour les jeunes, tu vois. Ah, c'est très adulte, ouais. C'est vrai. Puis il faut réfléchir à des échos et tout, et il faut mettre des strats en place. C'est quand même un jeu avec un peu plus d'intellect que RL. RL, c'est vraiment le jeu de débile par excellence. Et surtout, je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que RL, un mauvais joueur peut faire trop mal, tu vois. Alors que CS, je pense qu'un mec qui est pas non plus insane va pas non plus tout changer. Parce que ça reste avant tout un jeu de strat. Oui, aussi parce que t'es 5 sur le card. Ouais. Ouah. Désolé. Oh. Ouais, alors sur elle, y a pas trop vraiment de stratégie ou du coup. Ouais. Si là, tu prends la balle, si tu fais un truc bien, let's go. Ouais, ça. Nice. Ok, t'as gagné la première game, t'as fait mieux que Ego déjà. On peut passer tout de suite à la game 2 sur la POV de Dal. Désolé, je regarde pas moi YouTube. Mais... Ouais, je sais que tu regardes pas. Malheureusement, je suis abonné, hein. Je mets des pouces quand je vois tes vidéos. Mytho. Quel mytho, j'ai jamais vu une de mes vidéos, je suis. Si, est-ce c'est que t'as le. Le gros best freestyler, genre. Non. Ah, ouais. De fou, celle-là, je crois. Ouais. Enfin, c'est le concept qu'on me redemande le plus. C'est normal. J'ai. Ah, c'est open. Ah, quoi? J'ai bump. Oh, si tu marques pas. Regarde le mob. Ah. Oh, si j'avais le reset, ça aurait été fou! Bah, ok, bon. Oh là là là. Mais ma pomme, elle va pas être très intéressante, hein, vu que c'est toi qui fais ça. T'as vu, j'imagine, ah, j'aurais j'avoue, mis le Salman là. Ça aurait été ah, bon. J'avoue. T'avais pas le reset? Non. Trop bizarre. Moi, je te l'aurais donné. Hein. En tant que développeur. Ouais. Attention. Mec, est-ce que t'y crois, annonce UE5 au World ou pas? Non. Les gars, vous... Non, mais qu'est-ce que. Qui croit encore premier degré à ça? À part les niveaux de l'argent. Moi j'y crois pas non plus en vrai. Les gars, ça fait depuis 2019 qu'on entend parler de ça, hein. Mais vraiment 2019. Non, pas au but. Ouais, attends, mais il y avait mon deuxième argument là. Mais attends, c'est la game de la semaine prochaine d'après là? Bah ouais, non, non, c'est là c'est toujours la même journée donc t'inquiète. Ok, ok, yes, let's go. Développer là. C'est demain, c'est chaud, demain faudra pas demain, y aller. Okay. Attends. Où je me concentre là, je dois défendre mon mec troll. Nice. Là, c'est dur pour toi de bien jouer, de discuter en même temps, ou ça va? Bah, toi aussi, t'arrêtes de parler quand tu fais des mouvements, tu remarques peut-être pas, non, mais. Non. Bah. Ouais, mec, je suis là, le CAC 40, le CAC 40, et là, je le regrette. Oh non. Ah, ça me déconcentre de fou. Touche, pop de balle, genre, pour moi. Hop, hop là, let's go. T'as eu la balle là? T'es où en vrai? Tu me dis pour moi, mais t'es même pas là. T'es derrière. Bah non, mais genre tu me la pop en l'air, tu vas pas vers l'avant, genre un backflip, t'as vu? Ah ouais, d'accord. Comment on appelle? Un steam pop. Là, là. Ah, moi j'arrive pas, j'ai pas ta vision de jeu, vraiment. Je pense que c'est ce qui fait la différence, hein.
C'est ce qui fait que je peux encore être pro et pas toi. J'ai ma place chez Solaris, je pense. Ouais, je pense aussi. On sait par contre. Ouais. À la place de qui? Allez hop, une petite ça directement. Je pense que chez cette 45 qui est trop occupé. De toute façon, ça disbande. Ah, s'occuper de sa maison que son triplet, tu vois. Oh merde. Et ouais. Ah, c'est ma pote, Je vais sauter, T'es mal, t'es mal. Sur de fou. Oh, t'es excellent. Ça, heureusement que c'est un POV. Sur de zinzin. Oh là là. Tu vois, là, les gens, ils pensent que c'est de ma faute. Ils ont pas tort. Et c'est bien pour mettre en valeur l'invité. Mais de la faute de qui là, à ton avis? Bah, nous deux. En vrai, c'est bien joué. Non, en vrai, c'est bien joué. Ouais, il a bien joué. Il faut savoir accepter que les adversaires sont forts. On est quand même en GC2. Il n'y a pas toujours une erreur. Ah oui, c'est top 1% du jeu quand même. Hein. 1% putain. Et ouais, même moi je crois. Je dis 1% pour prendre large. Je vais attendre au but là, fais tes trucs. Vas-y, vas-y, ben, non, toi. Voilà, t'es excellent. J'ai le bump, oh, j'ai full bump. Voilà, ça passe pas. J'ai pas de boost. T'as toujours pas donné ton deuxième argument, hein. Faudrait peut-être que tu te dépêches. Merde, c'est quoi? Bah oui, deuxième argument, c'est ce qu'on avait dit avant, c'est que... Il y a des gens qui ont 27 ans dans le top 100. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont 27 ans qui battent des gens qui font régulièrement des main events, tu vois. Même si c'est de la ranked 2v2. Qui a 27 ans dans le top 100? Personne. Bah Fruity déjà. Ah ouais? Bah oui. 28 même, je crois. C'est Bulls. Nice. Je sais pas s'il y a un joueur e-sport de RL plus vieux que moi, donc tu me dis Fruity. Après, il fait pas de main event, petit. Le plus vieux en ce moment, c'est JNaps. JNaps a 24. 24, wow. Ouais, donc même match que KDOP, je crois. C'est pas loin de 25 ouais. Aussi, je crois. Après, il fait des meilleures paires quand même. Après, il joue avec Chicago, ouais. Hein. Il joue pas avec faire les piques et les chaussettes. On interprétait pas mal ce que je viens de dire. Et oui, t'es un très bon joueur. Ah, allez, mets-toi dans la sauce là. Dis-nous qui est le meilleur de Solari. Le meilleur? Le meilleur, des trois. Le moins mauvais? Ah merde. Il a pas dit le meilleur, il a dit le moins mauvais. Bah en fait c'est compliqué parce que je trouve qu'individuellement Ferry c'est le meilleur, mais dans les games c'est le moins bon. Genre en RLCS il... Ouais je pense que Ferry a le plus de potentiel tu dirais. Ouais c'est ça, genre quand je regarde le gameplay sur les streams respectifs de chacun, je trouve que Ferry est meilleur que KDOP, mais en RLCS c'est... Nice. C'est KDOP qui vogue le plus en RLCS. Ouais mais parce que c'est aussi son gameplay tu vois, genre celui qui met les patates et tout, Ferry il est dans le pichetis dans le truc. Ferry se retrouve souvent seul à défendre des trucs comme ça ou se jeter dans des coins. C'est compliqué aussi, tu vois. Mais je crois que cette saison, j'ai vu plus Ferry faire des clutch que KDOP. Ah ouais. Bah après, moi, j'ai pas trop regardé les matchs de Solari vu qu'il s'était pas diffusé donc. Comment ça? Pas sur la chaîne Solari, c'est diffusé. Donc c'est une petite blague. Oh là là, expliqué. Ah mais non, mais explique-moi les blagues, mec. Je débute sur YouTube. Ouais, c'est open, hein. L'autre, il a essayé de me bon. Les buts, les beau tir. Ça tire. C'est quoi pour toi, Gaspo, la méca la plus importante? Enfin, pas la méca, mais l'aspect du jeu le plus important à maîtriser pour être grand champion. Pour être grand champion? Ouais. Honnêtement. Gestion des duels. Très bien. Alors, en gros, si tu te fais passer ou pas, facilement. Ouais. Le timing donc, aussi, est-ce que ton mate est derrière? Ouais, c'est ça. Les timings, exactement. Je pense que ça va aussi un peu là-dedans, le fait de prendre du challenge volontairement, en freinant. Ouais, pour que encore, ouais, je vois encore beaucoup de champions qui, quand ils vont challenge, ils arrivent à tout berger. Pas de boost, mec. Dommage. T'abuses. Quand je vois beaucoup de champions qui vont challenge, ils font un gros front flip et ils se balancent. Voilà. Oui, oui. Moi, c'est mon plus gros erreur en. J'ai ces trois, je pense que c'est. Tu me jettes trop, tu vois. Le moment quand je joue avec Radozin, et je compte des pros, genre il est tout seul en fait, Radozin. Oh. C'est bon, je me jette. Ouais. Dans des lobbies 2k2 ou dans tes lobbies? Non, 2k2. Dans mes lobbies, si je joue avec Radozin, ça va beaucoup moins se voir parce qu'on va, il va recarrer. Bah, ouais. Et quand je suis contre des pros, je le vois que bah en fait, je fais que de laisser Radozin tout seul et d'être inutile dans mes duels. Je mets le challenge du côté derrière. Ok, ça va, ça. Ouais. Ah, dommage. J'ai le mid gauche. Ah, j'ai pas le mid gauche, j'ai raté, je sais pas comment j'ai fait. Mais j'ai raté l'autre aussi. Mais. Tiens, je te bump. Attends, y'a un bruit là. Y'a un bruit. Je suis au goal. Peut-être.
Ok, nice. Bon, on en parle plus, c'est okay, touche même pas le ceiling. Qu'est-ce que c'est propre. Ah, dommage. Yes. Oh là là, t'es bien placé, hein. Ouais. Qu'est-ce que t'es bien placé. Il pouvait rien faire. Et du coup, t'es d'accord avec moi sur la méca pour passer GC? Ouais, après, pour moi, ça, c'est encore le niveau dessus. Je pense que c'est GC2 même. Hmm. Parce que je pense que pour être GC1, le plus important, c'est les maîtriser ses engagements. Parce que ça, c'est facile, tu vois, à maîtriser, c'est toujours la même chose. Et ses tirs. Mec, je vois trop de temps, okay. Trop de gens qui font des tirs n'importe comment là. Ils passent à côté de la balle et tout, parce qu'ils arrivent en supersonique, ils se font n'importe quoi. Je te jure, mec, sur la série où je joue sur le Smurf, et c'est toi en solo queue, mec, j'attends, et à un moment, il va y avoir un open, et de ma moitié de terrain, je fais juste un tir un peu puissant, il y a but. En C3, je te m'arrête. Ouais, je te jure, c'est abusé. Juste un fake challenge, un tir et c'est bon. Et bah voilà, peut-être qu'il y aura des C3 dans cette vidéo qui vont progresser grâce aux bons conseils de Dahl et Fer. En tout cas, on a fait deux victoires. Pour l'instant, on a vaincu avec Dahl. Donc pas pour l'instant, la semaine full win peut arriver encore. Même si ça va être chaud parce qu'on va vraiment monter en MMR. En tout cas, merci Dahl et Fer d'avoir participé à ce premier épisode en ma compagnie. Et c'est un plaisir. On se retrouve dès demain pour la suite de la série de MS2 avec Dahl. À demain.